Encore rien? Non, rien. Tu veux un coup de main? Non, merci. C'est par là. Qu'est-ce que c'est, ces bruits? C'est la mer. Tu peux la voir? On y va. Tu n'as jamais vu la mer? Oui. De l'avion. T'es venu en avion alors? Bonjour. C'est tout. Ça va? Oui, ça. Je t'ai porté un cadeau. C'est pour la musique. Merci. Ah, Germain. Si tu étais un peu plus grand. Maman, laisse-le tranquille. Germain. Et lui, c'est qui? Lui, je l'ai rencontré à la station. Il attendait son oncle là-bas. Il a attendu toute la journée, il n'est pas venu le prendre. Parce qu'il vient de l'Afrique. Il vient tout juste arriver. Ça ne manquait jamais. Et comment il s'appelle? Youssouf. Youssouf. Youssouf! Ah, sois la bienvenue. Merci, madame. Ah, moi, c'est Tamboura. C'est ma fille Assetou. Enchanté. Et je suis là, j'ai presque du tout. Si tu as besoin de quelque chose, tu viens me trouver. Seulement que demain, moi, je dois partir. Tu pars demain déjà? Oui, oui. Ah, d'accord. Mais n'empêche, comme nous sommes là, tu peux passer de temps en temps. C'est la famille africaine. Maman Africa, tu as le sac de 5 kilos de riz? Oui, tu regardes par là. C'est ça, c'est ça. Ok, notre pour le riz. Pardon, Idrissi. Lui, il vient d'arriver là. Il n'a pas où dormir. Il n'y a pas pour ça à la maison. Il y a toujours de la place à la maison bougie. Va avec lui, j'arrive. Viens. Oui, il souffre. Eh, ça, c'est ton cadeau d'Europe, hein? Merci, madame. Qui dort ici? C'est Jamal qui dort ici, mon frère. Alors, on va te mettre là. Je vais chercher un matelas. Ok? Pourquoi tu es debout? Assieds-toi, mon frère. Écoute, pourquoi on appelle ici Maison Bougie? De temps en temps, il n'y a pas courant ici. Tu as un peu d'argent? Mais pourquoi? Pour rester ici? Chut! Demain, je t'amène au Carrefour. Pourquoi au Carrefour? Putain de merde! Excuse-moi. Écoute pas Jamal, il est fou.
Marshall, Marshall Youssouf. Bien cher. Ça va. Non, pas à Naples. Si tu veux, tu viens avec moi, tu me donnes un coup de main sur le mouchoir et après on s'arrache. Comment sur le mouchoir? Eh, on va s'arranger quand je vends après. Oui, le Pullman, ça arrive à lui. Tu n'as pas de chambre. Tu viens? On y va, oui. Par ici, ici. Écoute, combien de voitures tu arrives à faire à chaque feu rouge? 3, 4, 5, juste la première ligne. Mais il n'y a pas un autre moyen pour faire plus de voitures? Il y en a. Arrête de prier. On y va. La journée. C'est bien. Ça va. Écoute, ça fait combien tu es en Italie? 6 ans. 6 ans? Tu vas encore les mouchoirs dans la rue? Si. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire ici. Tu sais pourquoi ton oncle n'est pas venu te prendre? Parce qu'il a honte. Qu'est-ce que tu sais sur mon oncle? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit qu'il a une belle maison, il a de l'argent. C'est ça ce qu'il t'a dit. Il t'a dit qu'on peut trouver du travail facilement et gagner de l'argent comme ça. C'est pas vrai, c'est des conneries. C'est pour cela que tous les autres Africains viennent ici, en espérant de ramasser l'argent par terre là. Ben, tu n'as rien fait toi, excuse-moi. Prends ça, je te donne un coup, tiens. Idriss, je vais te poser une question. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un endroit, un quartier où les Africains riches habitent? Bien sûr. Où ça? En prison. Écoute, Germain m'a parlé de la situation. Pour moi, tu peux rester. Il faut juste que de temps en temps, tu me donnes un coup de main. Ça marche? Qu'est-ce qui se passe?
Idriss, où est son geste de pénalité? Je Ils sont en train de m'emmerder là, je vais dormir. Moi je paye pour dormir. Ça fait 3 mois que tu ne payes pas. Il est 9h. Si tu veux dormir, t'as qu'à le dormir dehors. T'es pas en cours là. J'ai allumé la télé. Désolé pour Jamal. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Personne ne veut de lui pour travailler depuis qu'il boite. Il a reçu une balle dans la jambe. Pourquoi? C'est la mafia d'ici. Sa mise en tirant sur les doigts. Va manger mon couscous, il est bon. Andiamo a vedere il prezzo se c'è qualcosa. Ça s'est passé comment le match? On a perdu. Dieu est blanc. Youssouf, Youssouf, réveille-toi. Youssouf, il y a un gars d'Erol. Il dit qu'il connaît ton oncle. C'est toi qui as laissé la photo là-bas en cuisine. Où ça? Viens. D'Erol, et sa photo est de Youssouf. Tu as le neveu à Moses, toi? Toi, tu le connais? Oui, je le connais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu n'es pas avec lui? Toi! T'as rien à foutre dans cette maison! C'est pourquoi? Tu vas te dégager, toi et ta merde! Viens, à chaque fois, c'est fait, c'est des merdes, Andia. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient cacher sa drogue de merde ici! Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que la police vient m'arrêter? Que la police vient nous faire sortir tous d'ici? Non, tu n'y es. Comment non, tu n'y es?
Impossible, comment non tu viens? Excuse-moi. Toi, prends tes affaires, va chez ton homme. Fais vite. Tout, alors. C'est parce que c'est un invisible. Mais c'est bizarre que ton oncle ne te répond pas au téléphone. Ça fait 3 jours qu'on était ensemble. Il m'avait dit que tu allais arriver. Va voir dans la chambre de la gauche là. Et il se trouve ton oncle. Moses, calme-toi, c'est Youssouf. Youssouf? Tu fais la barbe, toi. Tu deviens un grand garçon, toi. Alors, tu t'es appelé? Non, tu ne pouvais pas me joindre, j'ai eu un accident, mais je t'explique tout après. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Moi, quand je bois comme ça, le lendemain, j'ai toujours envie de manger des omelettes. On va manger des omelettes ensemble? Hein? Descends un instant. J'ai bu juste pour faire passer la douleur, mais là, je pense que j'ai géré un peu. Entre-temps, comment est-ce que tu m'as retrouvé? Ce matin, j'ai croisé des personnes qui te connaissent. Mais qui sont ces gens-là? Je ne me souviens pas de la... Mais ils sont dans la cuisine. Dans la cuisine? Oui, oui. C'est qui m'a amené? Oh! Mais qui c'est? Oh, voilà, c'est moi! Mais c'est qui lui? Mon petit! C'est moi qui l'ai envoyé. C'est toi qui l'as envoyé? Oui, oui. Mets le sac à quoi? Mais dis-lui de bien se comporter chez les gens là. C'est ton nouveau petit? Oui, il est avec moi, modeste. Et il souffle, et coupe-moi cette musique. Est-ce que tu arrives comme ça? Non, je t'explique ça après. Au fait, on a eu des problèmes à la maison bougée. Le patron de la maison bougée. Tonton, tu as encore cette photo? Oui. Et quel âge avais-je? Tu étais encore très jeune. Tiens. Comprends ton paire d'escarpe. Merci. Tout le monde prend les mailles d'escarpe à la casa de la gueule. Viens, Nandiam. Ciao, ciao. 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 Tiens. C'est pour moi? Oui. J'espère bien que c'est ta pointure. Omelette? Ça marche. Ok. Mes félicitations, mon petit. Et ça? Ça, c'est pour toi. Par contre, je dois encore la finir. Tu dois la faire rouiller encore. Tu dois la mettre sous terre. Je sais. Tu es devenu un artiste, mon petit. Ouais. Merci, mon homme. Mais c'est toi qui me l'as appris. Ça ne s'enseigne pas, ça, mon petit. Toi, tu fais ça maintenant? Tu vois les chaussures? Mais écoute,
Moi, je vends un peu de tout. Hein. J'achète tout ce que je trouve à bas prix et puis j'essaie de les revendre un peu plus cher. Quoi. Ouais. Bois un peu? Non, moi, je ne bois pas. Tu ne bois pas? Écoute, malheureusement, tout ce que tu as pris comme boulot sur les statues, tu dois oublier. Ici, c'est différent. Et c'est très difficile. Surtout si tu dois te faire cet argent dont tu m'en as parlé, ça ne sera pas facile. Ouais. Mais heureusement pour toi, j'ai parlé à un ami. Il a du boulot pour toi, c'est pas grande chose, mais tu pourras te débrouiller avec ça pour l'instant. De quel boulot s'agit-il? C'est important, ça. E ci sto dicendo, e mai se non capisci. Che buon amico, lo riesco su poco. Ehi, ma dove passi a spiegare? Ti devo parlare con te. Allo? Oui. No. Ok, ci ho compris. Excuse-moi. Sto a posto. La grande abbastra, con chi si occupa, e se tu ti accatta una villa, ti accatta. Gli risorta. Scendi 50 euro per due settimane, sono buono, vado. E ieri, il mese di soggiorno, non è parlato prima e mo. C'ho gli risorta e battendo. Vado, oggi è 4, non è la caia, mi raccomando. Alle 4, come dici tu, paese tuo. Questo è il limoncello. Limoncello? Limoncello. I don't know. You don't work here? No. Ah, sorry. I see you are busy, so what do you do? I worry. I don't know if my money can pay what's up by. You just arrived. Yes, I'm new here. I can't see that. Sorry, my name is Suat. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you want to buy? Just want to make a gift. Ah, you want to buy a gift? Yes. So, you want a drink? Yes. They do it here with lemon. It tastes good. It's sweet. 13 euro? Can you pay? Yes, no problem. You can pay. Normally we join biscuits, but they're not here, so come.
style D. Hein? Il souffre un style D. You drunk. No, I'm okay. I'm okay. Are you ever be happy like that? You have to be happy. And moreover, I'm not working today. That's why. What's your job? I help my sister to fix it. And you? Just waste my time. Why your face come change now? One moment. I'll show you something. Look at it. This machine, you draw on computer. One click, everything's okay. In my country, nobody have this machine. Is this for the statues you told me about? No. This only for small statues. My statues, I need my hands. For those one, you go need an artist. Yes. Make us see artist. Make us see. Maybe that. No. It is me and you. It's how I see you. So, it's me and you. You and me. What? I go now. Tu t'es endormi ou tu t'es évanoui? Tu m'as foutu un truc, toi. J'ai bu de l'alcool, mon oncle. Ah ouais? C'est vrai, ça? Il faut pas boire de l'alcool. C'est péché. Et surtout quand tu le vomis après. Je dois prier. Parce que ça fait mal à la tête. Repose-toi, mon petit. Anna peut attendre. C'est ton patron qui ne peut pas attendre. J'ai dû me mettre à genoux devant lui pour qu'il ne t'irrite pas. Et puis écoute, ça ne peut pas continuer comme ça. C'était pas de ma faute. C'est lui le connard. Ils sont tous des connards ici. Bienvenue à l'Italie. Mon oncle. Mon oncle. Le gars qui m'avait accompagné ici, il travaille pour toi. Et puis? Moi aussi, je peux travailler pour toi. On verra ça quand tu seras lucide. Excuse-moi. Thank you.
Mon oncle, qu'est-ce que tu fais là? Aide-moi. Qu'est-ce que c'est là? J'ai dit aide-moi. Tu veux m'aider, oui ou non? Elle est morte. Oui. Comment? Tu veux travailler avec moi, oui ou non? Je te demande, tu veux travailler avec moi? Alors ouvre-moi ce putain de coffre là. Alors, écoute-moi bien. Je dois m'en aller. J'ai appelé ton patron. Et je lui ai donné rendez-vous ailleurs, juste pour qu'il ne reste pas ici. Alors je le rappelle et je lui dis que j'ai dû passer, mais j'ai eu une petite embrouille, raison pour laquelle je t'ai laissé la voiture et que tu dois laver. Dès que je reviens, je t'explique tout, ok? Tranquille-toi. Donnez-moi ça. Vite fait. Maintenant, on peut parler. Tu viens là. C'est un truc qui m'est jamais arrivé. Hein. Il y a une ovule de cocaïne qui s'est cassée dans son ventre. Il y a encore 69. C'est une valeur de 30 000 euros. Il y en a 2 000 euros pour toi. Et ta machine coûtait combien encore? 40 000 euros. 40 000 euros. En 40 semaines, tu vas rattraper ça. Tu vas te faire cette machine et puis tu vas rentrer en Afrique. Les Nigériens. Ils font ce business depuis des années. Ils rentrent en Afrique, ils achètent des hôtels, des villas, des magasins. Ils roulent dans de grosses voitures. Mais je te jure que nous aussi, on ira. On retournera en Afrique, mais pas comme des esclaves. Comme des rois, mon petit. Écoute, je t'ai déjà tout dit. À toi de décider. La place de l'autre côté, là. C'est toi. Thank you.
presque fini. Mon nom ? Oui. Il a presque fini. D'accord. Donne-moi ton passeport. Tu sais que j'ai une idée. Laquelle ? Au lieu de faire venir les mulets à la maison, oui. Trouvons-nous un autre endroit pour travailler. C'est une bonne idée. Tu t'en occupes ? Comment ? Prends le passeport. Ça, c'est quoi ? C'est ton permis de séjour. Tu sors avec ça, en cas de contrôle, tu présentes ça. Comme ça, tu auras moins d'ennuis. Mais nous, les récents, t'inquiète. Les Blancs, ils ne savent pas faire la différence entre nous. Pour eux, nous sommes tous les mêmes. Tiens, ça c'est pour toi. Merci. De rien, mon petit. Alors, je suis Suleiman. N'oublie pas, avec précision, au bout. Who find this place? It's my nephew. What a nice place. Thank you. C'est bon. Your business is growing. Our business is growing. You know, my house is your house. Mon petit, tu vas faire un Western Union juste à côté. Ok? C'est un compte, hein? C'est quoi, là? No problem. Surprise. Surprise? It's like real. It makes a lot of noise, but it's not real. Why do you need it? To make a lot of noise. Hey, what's up? What's up, yeah? Wow, belle ta montre, hein? On dirait un vrai. On dirait oui. Qu'est-ce que tu fous pas là? Non, je viens envoyer de l'argent. Toi aussi, tu viens envoyer de l'argent? Non, tu étais chez le tailleur. Ah, ok. Alors, comment ça va? Ça va. Hey, ok. Wait for me in the car. Ok? Issouf? Oui? Tu vas faire un tour avec Thomas. Je te présente Germain. C'est lui qui m'avait aidé. Ah tiens, c'est le vendeur de mouchoirs là. Ça va? Ça va, ça va, oui. Merci d'avoir aidé mon neveu. Non, c'est de rien, c'est de rien. Tiens, ça c'est pour non, toi. Non, non, je vais oh tiens, on a toujours besoin de ça là. Ok. Merci beaucoup. Et quand tu auras marre de vendre un mouchoir, n'oublie pas de dire à Youssouf. Il pourra t'aider maintenant, ok? D'accord. On y va? Je vais chercher la voiture. Tu penses qu'il essaie de ton oncle? Il a un boulot pour moi? C'est que je te ferai savoir. Ok. Ah, allez, on fait ciao comme ça, hein? Ok, ciao. Pousse! Thank you.
tu me trouves? Ouais, c'est cool. Tu ressembles à un gangster. Mais je suis un gangster. I was born in the hood. I lived in the hood with spank cars. In the hood, someone died in the hood, and I prepared to buy the hood. I was smoking in the hood. I was born in the hood. I lived in the hood with spank cars. Y'a trop de Nigériens ce soir. Moi, mais je me suis rendu compte. The hood is down, let me speak like a nigga. That's it. It did look good. Oh, me too. I know. I think that you don't want to come. What do you take for drink? Coca-Cola. Now cooking what? Only Coca-Cola. You don't convert to Muslim, have you? I am Muslim. First time I drank, I was with you. Mm-hmm. You're Muslim. It's for my friend. Wait, I'll come back, okay? Okay. I win again. You must drink. Okay. A drink. Cosmo. You just do win all the time. Make you drink some. You're Muslim. You're Muslim? Make you drink now. Okay, okay. It's my uncle, sorry. Okay, wait, I'm coming. Okay? Swag. Oui, allô? Oui, oui, ça va, c'est tranquille, c'est tranquille. D'accord, d'accord. Ok, on se retrouve là-bas dans 15 minutes, ok? Voilà, tout à l'heure. Ok, ciao, ciao, ciao. Ça va, là? Qu'on va. Comment il s'appelait encore le mec qui gère à la maison bougie là? Pourquoi? Écoute, on a une petite surprise pour lui là. Ça, je n'ai qu'une surprise. À ton avis, ça peut être quoi? Mais pourquoi on va lui faire ça? Ce mec, il a retrouvé quelque chose qui nous appartient, il a jeté ça dans les chiottes. À propos, la fille qui était avec toi là, elle s'appelle Swab, non? Thank you.
toutes les façons, moi, je déteste cette maison pleine d'Africains. Ceux-là, ils se sentent immigrés dans la tête. Moi, je ne me sens pas immigré. Toi non plus. Comment dois-je me sentir? Comme un aventurier, mon petit. C'est une question de mentalité. Tu crois t'acheter cette machine-là vendant les cassolets dans la rue? Silence! Celui qui bouge, c'est tire! À terre! À terre, j'ai dit! À terre! Sakale, what do you learn this work? I've been lucky. Learn from the gifted one. From your father? No. Myself. Just a minute, huh? $50? Yeah. What? I'm not a pusher. How many you need? 50. As you do, Sergeant, it's another one to work here. Oh, you got big zombie. Huh? You got big zombie. Oh, you got big zombie on. Excuse me.
Regarde-ci, c'est tout, hein? Regarde ceci. Oui, bien, si tout mon geste, il va, la loge soit Thomas. Hein? On a vu la voce. Quand on va en nouille. Parce que ça, oui, la zone sans chouquet, qui cave, on m'en a en nouille. La visage, j'ai des moumanis de nouille. Je trouvais de ces merdes, là. Ça va? J'ai mal à la tête. Lève-toi, lève-toi, tu vas prendre un peu d'air. Viens. Mention your name, they call Thomas. I don't want to know what you are doing the other side. But you people don't have to come here anymore. Basta! Thank you for the suit. Oh, it's too much. Well, let's go. Okay, then I'll make 2 suits. One for every day, one for the funeral. That's how you do, right? Good idea. C'est tout ce qu'il t'a dit? Oui. C'est quoi cette histoire? Ben écoute. Et une semaine de cela, il y a ce Nigérien là qui allait voir Thomas et qui lui a dit qu'on devait payer 30 000 euros plus 5 kilos de cocaïne chaque fin de mois à leurs amis blancs parce que ce sont eux qui commandent ici maintenant. C'est qui ces gars? Ben, c'est des gars qu'on a cachés facile. C'est-à-dire, tire. T'inquiète. Nous, si on a des amis blancs qu'on a cachés facile. Selon moi, il faut payer. Payer quoi? Et qui doit payer? Nous. Mais nous qui? Si Thomas, John, Willy, chacun fait son business de façon séparée. Nous ne sommes pas un groupe comme les Nigériens. Tu m'as jamais parlé de ça. C'est quoi? Tu t'es pissé dessus? Oui. Petit. Tu es fort. Tu as vu ce qui pousse là? Je pense que c'est le moment de déterrer ta statue. Hein? Je ne sais pas. Il était fou la laisser encore, oui. Comme nous, quoi. Je vais entrer, hein. Oui, ça va, ça va.
s'assoit ici. Vous l'avez occupée? Oui, elle était abandonnée. Comme toutes les maisons ici. Elles sont toutes abandonnées. Et qui vit? Il y a moi, Marshall, Bema, Adama, Idriss. Idriss, il va comment? Mal. Il a encore des douleurs. Un peu partout. Mais tu peux me faire un service avant d'aller là? Je voudrais une photo devant ta voiture là. Une photo? Et pourquoi? Comme ça. Alors. Merci. Une minute. Je veux une belle photo. Donne-moi les lunettes. Tu es trop sérieux là. Attends, fais un autre. Moi, je voulais le faire sérieux. Germain, je dois partir. Oh. Aïe, belle. Tiens. Et tu veux faire un autre? Alors, tiens. Ah, et c'est tout. Ma la sentivo che venivi oggi. Ah, ti mancavo allora, eh? Guarda chi si vede. Caro fratello. Passaggio. Ciao, bello. Ciao, Yusuf. Tutto bene? No, prendiamo un po' di tè. Andiamo a prendere qualcosa dentro. Guarda a me. Che mi hai portato? Ti ho portato un regalo. Ti ha portato. Come che mi ha portato? Ti ha portato. Cosa ne pensi? Un po' corto però, Tu dici? Sembri un po'... una prostituta. L'hai detto tu? Ma l'hai pensato? Mica l'ho detto io, l'hai detto tu? Germain, Pasha dice che assomiglia a una prostituta. Non è vero, sembri Beyoncé. Fai un po' di tè? Oui, merci. Elle va casser, tu vois pas? C'est ce qu'on a ici. Se trouve les toilettes. En haut de l'escalier, au fond du couloir, à gauche. Excuse-moi. Ça va, ça va. C'est parti. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Vas-y. Tu as appris que Germain est arrivé? Oui, j'ai entendu. Ça va? Oui, ça va, ça va.
Queen Shark and hostess, it gotta be at 46, let's do the ass. Yo, I made six drop down. Look behind it, wanna keep some eyes. You fresh kids. What do you want, my brothers? What do you want, my sisters? What do you believe in your prayers? Lord, give us what we want. This is what we all asking for. We need food. Hallelujah. Amen. We need house to sleep. Hallelujah. Amen. For if we do not have it, hallelujah. Amen. What should we do? Hallelujah. Amen. Do we have to steal? No. Hallelujah. Amen. Do we have to steal from our brothers? No. Do we have to steal from our neighbors? No. Then Jesus said, hallelujah. Amen. We have to work hard. Hallelujah. Amen. Then Jesus said, hallelujah. Amen. We have to pray seriously. Hallelujah. Rajava, Zakis. Noi non capiamo niente qua ancora. C'è delle persone che viene chiedere i soldi da noi. Noi non sappiamo come, che cosa noi dobbiamo fare. Oh, sì, te ne hai paura. Tu non ne avevo nessuno. Che si cosca c'è un primo minuto, casa si prende. Sta c'entro un bambino da cercare soldi. Su qualcuno che non scagava una creatura. Sulla moda è una cucina in del cervello. Ma è una cosa che la risolvi. Non è problema russo, cosa c'è che sta zibendo? No, zio Pepe, no. Francamente non va bene così. Noi siamo stanchi. Adesso a noi serve armi e possiamo difenderci. Ma serve tenere il cervello? No. Ma tu che vai trovando che bene all'esercito, i carabinieri, e finimi fa lavorare tu. Zio Pepe, ha lasciato due albanesi il bar. Un mariolo di merda, che cazzo è stato per questo albanese? Ma perché contano pure? Facendo conto che non è morto nessuno. L'albanese sono una cosa, voi siete un'altra cosa. Gli africani, io voglio bene. Abbiamo sempre d'accordo. Non fai da preoccupare. Fuppi, ci parte qua. No, non è combio qua. Ma che cazzo è che si sta qua? Non è sempre, sono sempre partito. Ma chi la dice a lei? Ecutemo. Lui ti una capire. Ma che è? Ma che è? Non lo capire, sono... No. Ti chiamano ancora, non puoi servire. Cazzo qua. Ma così mantiene la scienda tu, mantiene la loro. E me mantiene un bel loro rispetto. Questa
Ce ne sa plă. Tu ca o e mon. Tu viens te rendre compte de ce que tu viens de faire? Je dis seulement la vérité. Mais quelle vérité? Tu viens de manquer du respect à nos amis. Ça veut dire quoi ça? Tu dois te mettre en tête que c'est moi qui commande ici. Tu m'as jamais dit que c'est dangereux. Dangereux? C'est la pauvreté qui est dangereuse, mon petit. Toi-même, tu étais où depuis là? On te cherchait, j'avais des gens ici là. Je te demande, tu étais où? C'est à toi que je parle. Hey, 5 seconds, man, sit down. I said, sit the fuck that shit. Sit down, out there. Qui est? It's me, Thomas. What do you want? I want to talk to you. Are you alone? Yes.
My friend, open this fucking door. I'm coming. What do you want? It's a problem. Somebody call out the tailor shop. It's in there, shop number 7. Who is it? Who is it? It's Thomas. Yusuf, va voir de l'autre côté là-bas. Tu fouilles à l'intérieur. Are you sure that is here? Yes, I'm sure. This is the old building. And they said we should find the old building, so let's search. Okay. I found it. What? It's Jackson. Oh. It's not the police. It's the mafia girl who asked the one. I'm sure they did. Mais qu'est-ce qui te prend? Souffle!